Salut YouTube, mets un pouce bleu dans 10 minutes. Zut, j'ai oublié de remettre. Donc notre premier jeu c'était Karateka sur Commodore 64, art martiaux action. Il nous a coûté 46 000 balles et nous a, on a fait 80 000 de, dollars de bénéf dessus avec une note moyenne des critiques de 6,25. Puis, la nuit des fans de la PGW, jeu d'action de zombies sur Commodore 64, 5,25 de moyenne. On a été très peu rentable sur ce jeu. Et donc, Baldur's Gate sur PC, RPG médiéval en texte, succès mitigé encore, la critique peu unanime. Cirez-moi les pompes, un autre premier grand succès, 176 000 balles de bénéfices, simulation d'entreprise. Puis évidemment, on bouge sur la NES, notre premier jeu NES, c'est Tisane de Tampon, c'est notre Castlevania. 200 000 balles de bénéfices, surtout grâce à la popularité de la console. 7,75, de bonnes notes tout de même, un jeu honorable. Le X de Xbox, évidemment notre XCOM sur PC, OVNI Stratégie, grand succès. Mais évidemment, CGT The Game, évidemment notre RPG Cyberpunk, également beaucoup beaucoup d'argent en jeu, 7,75. Mais tout va se débloquer avec Bono Baudet, succès unanime de la critique, 9,5 sur la presse, 2000 fans gagnés et 2 millions de dollars de bénéfices pour un jeu qui a coûté 59 000 balles, incroyable. Et donc là, on est en train de développer donc la convivialité du RERB, notre première aventure dans le jeu de simulation de transport. Alors, bon, les dialogues, on s'en fout un peu. L'intelligence artificielle, alors là, on nous dit oui, parce que finalement, c'est pas scripté. Faut que tout s'adapte, on nous dit plus. Éventuellement, peut-être. Mais peut-être pas pour la simulation. Mais dans le transport aussi. Quoique le design, le level design pour les transports. Bah non, le level design, c'est le joueur qui le crée. Donc, IA, design et dialogue. Mais bien sûr. Alors, tout le monde s'y met. Voyons voir. Pour l'instant, on a 5 bugs. Ah, ça y est. La technologie, grâce à Brenda, ça déconne zéro. La C64 est morte. Mais retenons quand même qu'on a publié 3 jeux qui nous ont rapporté 454 000 balles. 180 et 0. Patron, j'ai découvert que des fans passionnés de Karateka à notre premier jeu. On crée un jeu amateur reprenant beaucoup d'éléments de notre jeu. Ils n'en tirent aucun profit et veulent juste faire ça pour la communauté. Nos conseillers juridiques nous suggèrent fortement d'y mettre un terme. Ah, alors c'est là qu'on décide d'être des gars à la cool ou des petits FDP. Alors j'en sais quelque chose, hein, parce que j'ai fait partie de l'équipe de Chrono Resurrection, par exemple, qui refaisait des scènes clés de Chrono Trigger avec un moteur 3D. Et eh bien Square Enix nous a envoyé une lettre de arrêter tout de suite, sinon le procès bande d'enculés. Donc on a arrêté. Et ça c'est pas cool. Ou Nintendo, évidemment Nintendo ils aiment pas, ils laissent faire et puis quand ça sort, paf, tiens dans ton cul. Moi écoutez, moi je suis quand même Yves Grumeau. I am Yves Grumeau from Lubrisoft. Here at Lubrisoft, we like the creativity from all the independent developers. I remember when I was alone in my basement and I coded Bonobo Day. I had nothing, only my dreams. So follow your dreams and let them do. Non, je vais les laisser faire. Bon alors, ça se trouve, je vais me faire baiser. Lubrisoft va laisser glisser pour une fois. Pourquoi vous voulez que je les stoppe? Mais non, mais laissez ces jeunes vivre leurs rêves. On va les laisser faire. Allez. Alors, son basique. Ah non, les sons mono. Incroyable. Les vrais sons de train. Les vrais sons de train, les vrais sons de forain. Alors, le world design, finalement on est encore dans le même problème, c'est le joueur, non? Alors les graphismes, les sons, c'est à hauteur égale. Pour moi c'est du 50 partout quoi. Parce que le graphisme on s'en fout à moitié.
Laissons bon d'accord. Les graphismes pour une simu. Graphisme au top. Ah mais les gens ils me connaissent, ils connaissent trop, ils me spoilent. Graphisme à fond. Putain, si des graphismes pour la simulation. 180-0. Ah bah là on me dit de faire 180-0, alors je sais, c'est pas clair. Je suis confus. On va se faire ça. On va se faire ça. Mais oui, c'est vrai que le réaliste, c'est-à-dire quand même, on est dans une situation de transport. Je pense que le transport change le game. Si on n'a pas, si on n'a pas le beau son du train qui fait tut-tut, vous dites que de la merde en barquette. Ça m'emmerde, j'ai fait n'importe quoi. Oh là là, ça monte. Ah, c'est surtout la technologie qui est folle, mais ça, c'est grâce à Brenda. Oh non, le score est fou. On va corriger les bugs et ça va rajouter encore des trucs. On gagne des points de design. On finit le jeu. Petite finition manuelle. On gagne en design. Alors, faut faire attention au moment. Denise Reed, développeur principal du jeu amateur basé sur Karateka. Je viens d'apprendre que vos départements juridiques avaient suggéré d'y mettre un terme. Je vous remercie très chaleureusement d'avoir agi contre leur avis. It is okay. Lubrisoft est la meilleure société du monde et je suis fier de compter parmi vos fans. Nous avons gagné 343 fans, mais voilà. Yves Grumeau. Et regardez, j'attends un petit peu et on peaufine le jeu. Mais attention, quand on peaufine le jeu, d'autres bugs peuvent intervenir. Donc attention à ne pas sortir un jeu bugué. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. La convivialité du RRB. Polyvalent, sortir un jeu réussi dans chacun des 5 genres principaux. On me spoil déjà. Nouvelle recherche disponible, meilleure expérience utilisateur, éditeur de niveau, monde ouvert. On va encore devoir développer un moteur. J'espère qu'on va se faire des couilles en or. Hein. Ça va être difficile. C'est difficile de rebondir après un hit absolu comme Bonobo Day. Il semblerait que le marché réagisse particulièrement bien aux jeux proposant de nouveaux thèmes en ce moment. Ah oui, donc on va devoir rechercher de nouveaux sujets. Allez, c'est parti. Les premières critiques pour la convivialité du RERB, notre dernier jeu, viennent d'arriver. Ça ne sera pas Bonobo Day. Mais à 8 de moyenne, ça pourrait être pas mal. Ah là là. Ah, Julien Chiez. On compte sur Julien Chiez. Ah, c'est pas fou, hein. Plus on fait un jeu peaufiné avec des notes folles, magnifique. J'ai peur. Bon, alors, recherchez. Qu'est-ce qu'on peut rechercher? Un nouveau thème. Oui, il faut qu'on recherche des nouveaux thèmes. Super-héros. On va faire un jeu d'action de super-héros. Les X-Men. Ça va marcher, comme des petits pains. Tiens, on va te former, toi, parce que t'es vraiment une quiche. Pendant ce temps-là, formez-vous. Oh là là, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. On est en train de on est arrivé avec 2 millions 3 et ça y est. Ça y est, on commence à perdre de l'argent. Il va falloir sortir un Bonobo Day 2. Les X-Men. Le X des X-Men. Bon allez, il faut qu'on enchaîne. Faut qu'on enchaîne. Mais attendez, Ah oui, fait un rapport d'abord. Pendant qu'ils terminent leur formation. He's ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Transport et simulation est une excellente combinaison. Histoire quête est peu important, on le sait. Et PC simulation excellente. Ben, on méritait mieux. Nous avons quelques idées supplémentaires. Austin Francis, Brenda Rathbait ne sont pas encore bien intégrés à l'équipe. Un peu plus de jeux et l'équipe aura un plus grand potentiel. C'est pour ça qu'on va pas faire des jeux moyens tout de suite et se concentrer sur quelques petits jeux. On peut peut-être rechercher encore quelque chose d'intéressant. Un jeu casu de musique nulle. Non, j'ai envie de chercher la 2D sublime. Quoi qu'on va passer sur PlayStation après.
Mais non, c'est bon, la Genesis et la Mega Drive sont pas encore sortis. Il faut absolument qu'on ait les graphismes de DV3. Et là, ça va chier. 3D Open World, c'est plus tard. Comme l'éditeur de niveau. Mais non, ils ok. Moi, je veux la 2DV3. On pourrait également sucer Julien Chiez. Bon, non, on n'a pas le temps, faut y aller. Développer un nouveau jeu. C'est parti. Allez, c'est parti. Ah oui, comment il s'appelle ? Merde ! Ah ! C'est pas Didier Super, Didier Super, c'est le chanteur. Comment il s'appelle, le super-héros français avec son béret ? Diantre. Si, c'est Super Didier. Oh, je sais plus. Ah oui, on va le faire sur Game Boy. On va le faire sur Game Boy, notre jeu de super-héros. GB plus casu. Ouais, mais il faut le thème qui va avec le casu. Et on n'a pas vraiment de thème casu, là. On n'a pas musique ou de la merde embarquée. Super Dupont. Ah oui. Super Dupont, putain. Voilà, Super Dupont contre les notaires. Tout public. Super héros. Action. Est-ce qu'on dépense 50K pour développer sur Game Boy ? La Game Boy, honnêtement, c'est garanti. Allez, c'est parti. C'est notre premier jeu Game Boy. On débloque 50 000 balles. On prend tous les risques. Bonobo Love. On aurait pu faire Super du con. Allez, graphisme en 2D. Ah ouais, ça a été un succès mitigé, la convivialité du RERB. Alors, le moteur, on met plus. Histoire 4, c'est sûr, c'est 0. Bah non, mais gameplay, non, jeu d'action. Ils me rendent fou, ils me disent que le moteur, c'est trop ouf. Un jeu d'action, on veut que le gameplay soit absolument cristallin. Bah oui. Histoire linéaire, bien sûr. Sauvegarde. Non, on est sur Game Boy. Didacticiel, non, faut pas déconner. Moteur plus et gameplay plus. Ah, le moteur, mais le moteur, is ok. On se fait ça. Allez, c'est parti, faut qu'on commence à être efficace, sinon c'est la rue. C'est la misère à épierre. L'IA. Alors l'IA, ça dépend, est-ce que tout est scripté ? Non, pas forcément. Le design de niveau, c'est marqué plus. Donc c'est un peu, mais pas top. Mais non, mais les sauvegardes pour un jeu d'action, c'est pas grave. On s'en fout. Putain, on a gagné très peu de points. C'est de la bite. Mais mettez-moi du design. Mais c'est le problème, c'est que c'est Jean-Francis au design. Il est nul à chier. Brenda, elle l'a sur la technique, mais... Les graphismes, magnifiques. Les sons. Voilà, le design du monde. Le design du monde, c'est quoi? C'est pour un RPG, au final. Son mono, bien sûr. On est des ouf. Le problème, c'est que le design... On est nul en design. Quoique les graphismes, ça va rentrer dans la catégorie design et le son aussi. Donc c'est ok. C'est le design du monde, quoi. C'est ça qui est pas clair. On va partir là-dessus. Oh, on est bien. Oh putain. Allez, oh là là, 36 en tech. On bug correct. On peut pas atteindre un 20 en design là. Bon, parfait. C'est une prouesse de technique. Putain, il faut qu'on commence. Allez, c'est notre premier jeu Game Boy.
On peut rechercher des cinématiques. On va faire Final Fantasy VII hein, bientôt. Les premières critiques pour Super Dupont contre les notaires, notre dernier jeu, viennent d'arriver. Oh ! C'est un hit ! C'est un indispensable gameblog ! Pas de 8. Oh merde ! Un 10 ! Allez, c'est bien, c'est pas mal. Ça risque de faire un carton. C'est pas mal. 14e des ventes. Déjà 244 bénéf. Il est temps de faire le rapport. Et il commence à être fatigué. Est-ce que j'accorde un congé? Ah non, on a les 80. Non. On va rechercher... qu'est-ce qu'on avait dit? Oui, on veut un moteur 2D de ouf. Allez, on est taré. Oh oui, oui, parfait. La Mega Drive va arriver. On va faire les congés, mais d'abord, on va rechercher quelques trucs. On va former. Tiens, toi, je te forme en... Par pitié, ouais, améliore-toi, parce que c'est terrible. Hein. Ah, mais j'ai plus assez. Oh, la teon. On va prendre tes congés, Clodoman. Mais si, j'avais assez, là, maintenant. Oh, le con. Super-héros et action est une excellente combinaison. Le son semble être relativement important. Public... Game Boy tout public, c'est bon. Ah, faudrait mettre enfant, c'est ça ? Sujet public, super-héros tout public, excellente. Ah non, d'accord. Austin Francis n'est pas encore bien intégré à l'équipe. Putain, mais quel Kotorepman ! Donc là, pendant qu'il est en vacances, voilà, sa barre de stamina remonte, hein, bien sûr. Ah oui, mais putain, le populaire, c'est des nouveaux sujets. Il me faudrait un point de recherche encore. Ah, mais on va développer le nouveau moteur, is okay. Par contre, elle a besoin de congé, Jacqueline. Vire ton mec nul, non mais mon mec nul il va s'améliorer et puis il coûte pas cher. Super Dupont a fait 634 000 de recherche. Bravo, accordez un congé. Le problème c'est qu'il faut qu'elle revienne, j'ai besoin d'elle pour coder. Oh putain, elle est là la Mega Drive, elle est là. Ah bah c'est bon, c'est terminé, on va sortir, il faut qu'on sorte, on revient, on peut revenir vers les anciens. On peut sortir Splatterhouse ou Castlevania, Bloodlines. On crée un nouveau moteur, c'est maintenant. C'est maintenant. Oh là là. Ah, c'est quoi ce délire? Ah, je peux dire que le moteur supporte les deux types de graphismes, comme ça je peux choisir selon ce que je fais. Oh non, mais ça va pas. On a toujours des sons mono, c'est un peu là. Hein. Est-ce que j'inclus les deux? C'est vrai que pour un jeu de simulation, il n'y aura pas besoin du V3. Ah oui, les suites, c'est trop important, mais j'ai pas l'argent encore. Mais ah oui, mais je vais avoir les points de recherche. Enfin, j'ai pas les points de recherche, ça veut dire. Ok, c'est parti. KCDQ. KCDQ Engine. Là, vraiment, ça va nous permettre d'être les rois de la 16 bits. C'est KCDQ. Recherche la 3D V1 pour l'inclure. Ah! Ouais, mais c'était 10. C'était 10, il nous manque pile poil un truc. Ah non, c'est 15. On développe un dernier jeu? Mais non, mais j'ai besoin de mon moteur. Ou on développe un jeu Game Boy et on attend la Super Nintendo. On développe un jeu Game Boy. Bon, il est en retard niveau tech. Oh merde. Sur Game Boy, on peut sortir un jeu d'arts martiaux à nouveau. Ah oui, comme ça, on prend le... Ah oui, mais peut-être que le jeu d'arts martiaux va mal se vendre à cause du fangame. Arts martiaux. Ok. Tout public. Allez, c'est parti. Double lézard. C'est double lézard. Genre action. Plateforme. Ah oui, on pourrait sortir Phantasmagoria aussi en vampire. Je suis sûr que c'est prévu. Un jeu Game Boy. Le Bonobo Love. Quoique, ça pourrait marcher sur FDP Engine. C'est pas clair. Graphisme en 2D, V2, on a vraiment besoin de ça? Ça coûte cher pour un jeu Game Boy. Bon, allez, quand même.
Pourquoi ils me disent le moteur, c'est trop la folie? C'est pas le gameplay, je comprends plus rien. On reste là-dessus, alors. Histoire linéaire, oui. Sauvegarde, jamais. Didacticiel, pas besoin, casser des culs. On va faire un ex-aequo moteur gameplay, on est des ouf. Fais des contrats, ah mais c'est l'ennui. Ah, c'est les contrats qui donnent de la recherche. D'accord, on va faire des contrats. Calmez-vous. Ah, c'est pas mal, allez. Design du level design, IA donc. Dialogue, bon voilà. J'ai connu ta mère, t'as connu ma sœur. Toujours la sauvegarde ? Mais la sauvegarde pour un double dragon, enfin tes conneries. À quoi que c'est vrai que l'IA pour un beat'em all, mongolo. Les graphismes, les ons. Oh, design du monde, on s'en fout. Son mono. En même temps, on est sur Game Boy, alors c'est pas clair. Sur Game Boy, on pouvait même pas rajouter son basique. C'est vrai qu'à 3, les contrats, on devrait y arriver. Oh putain, ça monte. Oh là là! Allez, on corrige les bugs. Ah, il y a un bug qui revient. Il y a un bug qui est corrigé. Allez, double lézard. Ah! Record en design. C'est des points en plus, la save. D'accord. Dialogues améliorés. Ça sera pour notre RPG. Allez, double lézard. Oh là là, j'aime pas. Oh, j'aime pas. Oh, le flop! Oh, tout le monde s'en branle, le double lézard! Heureusement qu'on a un peu de notoriété pour arnaquer des gens. Merde! Non mais... Faire un rapport. Pourquoi double lézard n'a pas marché, enfin? Tiens, fais une recherche, toi. Rechercher. Jeu casu. Meilleure expérience utilisateur. C'est pas mal, ça. Moteur semble être très important. Plateforme genre Game League Action, correct seulement. C'est ouf. Oui, stop rien faire pendant les ventes. Oui, oui, faut s'y faire. Oh, le ninja. On va faire Ninja Gun. On va faire Shinobi. Avec notre nouveau moteur, on va faire Shinobi sur Genesis. He's ok. Mais faut que j'attende qu'il ait terminé, non, pour prendre le contrat. Il semblerait que pas mal de gens utilisent une copie illégale de Double Lézard. J'ai réussi à en édifier quelques-uns. Listen to me. I am Yves Grumeau from Lubrisoft. Piracy is not okay. If you don't pay the game, you don't support the people who gave all of their hearts and their passion to bring you a unique experience of video game culture and pleasure. Non, non, mais en justice, voilà, tout. Oh, newf. Déjà que le jeu il a pas marché, si en plus on me le pirate, non. Oh, newf. Ok. Alors, développer un nouveau jeu, créer un moteur. Zut! Qu'est-ce que je voulais faire? Mongolo! Ah oui, trouver un travail! Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais ça rapporte rien. Ça nous permet d'avoir de la... On a 7 semaines pour faire... Contrez-moi. Ah, mais en design. Faut pas que ça demande trop de design parce qu'on est des quiches du cul. Voilà, ça c'est bien. 7 et 47 en tech. On se ferait 49 000 balles et 11 000 balles de pénalité si on n'arrive pas à nettoyer la base de données en 8 semaines. Et ça, ça nous rapporte moult recherche, c'est ça? Donc regardez, là, tout le monde bourre. Mais avec Brenda, c'est garanti. Brenda, c'est zéro.
Et tout le monde passe en tech. Mais pourquoi elle bosse pas? Elle boit son café. Non, non, moi je suis pas détendu. Nous avons perdu 1000 fans. Ah merde. Et on a gagné 40k. 1000 fans. Bon, la prochaine fois on sera plus soft, hein. Ah non, c'est bon, elle bosse. Les petits boulots. 49k de virement. Salut, c'est Jason. Jason. Jason! Le client vient de m'apprendre que vous avez honoré votre contrat. Excellent travail. D'accord. On va encore faire un contrat de clodo. J'ai besoin des points de recherche pour chercher à 3D. Oh là là, mais j'ai plus de fans! Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Putain, mais laissez-moi réviser mon jugement sur le piratage. On va animer un logo. Oh, la misère sexuelle. Là, je vais faire mon moteur. Oh, l'angoisse. Ok. Allez, c'est pas... Oh là là, la Super Nintendo arrive. Oh my god. Ouais, mais je voulais développer Ninja Gaiden. Shinobit. Ah non, faut qu'on développe Shinobit. Mais d'abord, le moteur. Casser des culs. Casser des culs, Engine. Bon, on prend la 2DV3. Ah, voilà, ça c'est vraiment... alors là, vraiment, ça nous a coûté un... Putain, 260 000 balles. Je commence à chier mou. Je commence vraiment à chier mou, là. J'ai peur. Je commence à chier mou. Il faut vraiment qu'on développe le prochain Bonobo Day. Faut qu'on développe une suite. On n'aurait pas dû faire un jeu de baston, les arts martiaux. On aurait dû faire Streets of Rage. Bon, allez, c'est bon. On y va. Let's go. Tout public. C'était tout public ou rated M for mature Shinobit? Non. Thème, les ninjas. Genre action. Plateforme. Là, j'ai... Ah oui, mais la Mega Drive, ça coûte 100 000 balles pour développer sur Mega Drive pour une console qui va mourir. Non, mais il faut qu'on monte. Faut qu'on fasse un hit. Je mets les 100 000 balles. Tu dis combien Coco il paye? Casser des culs, Engine. Pourquoi il veut pas? Mais non, mais clique dessus, il clique derrière. Ça, c'est des bugs de ouf. Ok. Bonne nuit, Maxime. Des bisous encore, merci. Rated M for mature? Public averti? Ouais, mais averti, c'est pas adulte, j'espère. Bon, allez, c'est parti. C'est vrai que la Mega Drive, tu sais, Genesis does what Nintendo don't. Allez, paf. Oh là là, je claque tout au moins RSA. We have put a lot of effort and money into this game. We have a lot of faith in it. We really hope that all the fans of Lubrisoft will take part in the experience that we are crafting with our team here in Montpellier. Bon, alors je mets la sauvegarde. Meilleure expérience utilisateur. Alors, je parie qu'on s'en tartine l'arrêt. On met tout. Alors, moteur. On dit le moteur à fond. Moteur gameplay, quoi. Alors là, attention. Hein. Là, on y est. C'est le moment de vérité. Oh putain! Putain, la Super Nintendo est sortie et merde. Allez, c'est maintenant. Mais alors, IA, on est sûr de ce coup? De toute façon, ça peut pas être les dialogues, hein. Mais la 3D, mais je vais pas faire Shinobi en 3D!
J'ai un moteur 2D qui vaut 40 000 fois plus cher que mon moteur 3D. Qu'est-ce qu'on s'en branle à 3D sur Genesis ? Va falloir faire un jeu moyen, c'est peut-être ça le problème. C'est qu'il faut investir dans les jeux moyens maintenant. Oh les... Putain, c'est pas ouf les notes là. Putain, mais en design, arrêtez d'être des bites en design. Je garde ça, son mono. Les graphismes, oh non. I put everything in Shinobit. Allez, on corrige les bugs et on fait monter la note, on fait monter la sauce, allez. Oh mais non! Francis, on l'augmente de 10 000 balles, est-ce vraiment le moment? Voilà pourquoi je voulais rester dans mon putain de basement. J'aurais dû faire un jeu moyen. Mais comment ça bizarre? Oh my god. Faut faire un jeu casu nul sur Game Boy. Faut faire un jeu casu nul sur Game Boy. Et il faut qu'on trouve le style musique ou cinéma là, ou un truc nul. Un quiz. Mais non, mais développement de jeu qui s'en fout. Musique, on va faire un rhythm game. On va faire un rhythm game, bien sûr. Putain, mais rip. Le rapport, quelqu'un fait le rapport, fait le rapport. Oh, ils sont épuisés, va falloir qu'ils prennent des congés, manquez plus que ça. Ninja Action, excellent. IA, très important. VNAP, Oasis, public averti. C'est le public averti qui nous le fout dans le fion, j'en suis sûr. Fallait faire un tout public, on est sur console, bordel. Ah oui, là, ils annoncent la fausse PlayStation qui devait être le... La donne de la SNES. D'accord. D'accord. Il n'y aura pas de Play System. Ah, on peut rechercher les suites? Ah oui, alors faut totalement qu'on vende nos mères. Les jeux de type aventure sont très pro... Oh là là. Est-ce qu'on avait un bon... Non, notre jeu d'aventure, il était nul. Attendez, est-ce que ça vaut le coup de faire une suite? Ah mais si, aventure! Oh, c'est maintenant. Il faut faire la suite de Bonobo Day. C'est maintenant. Faut qu'on recherche suite. Et on fait la suite de Bonobo Day. La boule magique. Il faut que la suite de Bonobo Day nous rapporte encore 2 millions. Merci beaucoup, Ra's al Ghul. Bonobo Day 2. Mais il faut que ça soit une suite officielle, donc suite, recherchez la suite. Oh, dis-moi que c'est bon. Ah, mais j'ai pas débloqué le truc pour faire des suites. Je peux pas faire Bonobo 2. Oh, je suis au bout de ma vie. Dialogues améliorés. On va rechercher dialogues améliorés. On va, c'est pas grave, on va créer un autre point and click. Oh, Shinobit, c'est pas ouf. Donc, du coup, on va... Oh, j'en sais rien. Dans 2 mois, la NES sera retirée du marché. On va faire... Et PC, il existe encore le marché du PC? Fais un jeu moyen. Un jeu moyen, ça demande tellement de pognon. $150 000.
Je suis au bout de ma vie. Bon, on va faire Day of the Tentacouille. Ah mais ce serait comédie, on n'a pas la catégorie comédie. Bonjour Yves Grumeau. J'ai suivi la progression du Brisef depuis un moment. Il semblerait qu'avec votre récente croissance, vous avez commencé à développer de plus gros jeux. De plus gros jeux méritent d'être vus par plus de monde. Et c'est à ce moment qu'un éditeur commence à devenir utile. Ah oui, on peut choisir d'être édité. Mais c'est la misère sexuelle. Car l'éditeur va garder la plupart des bénéfices, mais il assurera la com. Qu'est-ce qu'on a ? Activisionaries, quel enfer ! Il faut que le jeu ait 4 minimum, des jeux moyens, tout public. Royalty 7%. Ah oui, mais c'est ce que je gagne, 7%. Il me file 60K d'acompte, mais c'est ridicule. Parce que les royalties, c'est ce que je touche, c'est pas ce que eux touchent, c'est ça ? Bluebeat Games. Mais c'est de la grosse baise. Et pourquoi on Capcom et on propose de développer sur la NES alors qu'elle va mourir. C'est ce qu'ils prennent. On reste indé. Est-ce que je reste indé? Activision, c'est marrant, hein. Le jeu est réaliste, le jeu peut être de la merde en barquette. Tant qu'il sort, tant qu'il se vend. Alors que Bluebeat... Ah oui, mais il demande d'un style de jeu. C'est une commande. Cyberpunk action. Tout sujet, tout genre. Ah, l'avantage d'Activision, c'est qu'on peut faire de la merde en barquette et ils prennent pas beaucoup de royalties. Mais je peux choisir de redevenir indé à n'importe quel moment. Ouais, il faut qu'on commence à se faire un nom. Est-ce qu'on tente le cyberpunk action ? Ah, oh, j'ai peur. Faudrait faire 8 ou plus. Eh, pénalité 325K, c'est affreux, je vais mourir. Non, prenons, vas-y, on va faire des jeux pourris pour Activision. Parce que les temps sont durs. Est-ce qu'on tente notre premier jeu moyen ? Ah, mais le jeu moyen, ça coûte une fortune. Mais il clique ou je clique ou pas ? Mais j'ai l'impression... Je clique là ou... Clique salope ! Ça, c'était pas clair, hein. L'interface, elle est un peu buggée. Day of the Tentacouille. Ah oui, mais il faudrait que ce soit un thème comédie. Parce que Day of the Tentacouille... Ah mais non, il y avait Simon le sorcier. Medieval aventure. Ah, le contrat, c'est moyen, donc j'ai pas le choix. D'accord. Qu'est-ce qui peut être drôle? Parce qu'on a fait un jeu des pirates, pirates aventure. Mais ça, on garde pirates aventure pour plus tard. Cyberpunk. Cyberpunk aventure, ça fonctionne. Mais je dois faire un jeu d'aventure, c'est ce qui marche en ce moment. Innocent. Mais vous comprenez rien. Aventure avec les vampires. En médiéval aventure, ouais. Prends pas trop de risques. Sur la Game Boy, c'est moins cher que gratuit. Ah, la Super NES. Est-ce qu'on se lance sur Super NES? C'est l'avenir. Pour exploiter la puissance de notre moteur. Allez, je claque tout mon RSA. Casser des Q Engine. On va mourir. C'est... Putain, mais clique, salope!
Ça coûte aussi cher que ça. Putain, alors là, je vends ma mère. J'ai 2000 balles. Ah, oh, c'est la fin du game. Et voilà, et maintenant que c'est un jeu... La boule magique. Merci Elvas Casario, j'ai le droit à combien de découvertes maintenant? Voilà, et là... Alors, histoire, quête, aventure... Avec le moteur... On part sur un point and click finalement. Mais sur SNES, ça n'a aucun sens. Et là, je décide. Alors, design. Histoire quête, c'est design. Donc, c'est Yves Grumeau. Moteur, c'est la technique, c'est Brenda. Et Austin, le gameplay, parce qu'on s'en fout un peu. Ah, c'est toujours 50K ? Il faut la pile de sauvegarde, sinon les gens vont me juger. Moteur à zéro. Ah mais regardez la charge de travail de Yves Grumeau. Mais pourtant, quand on a fait Bono Baudet, on avait mis histoire et moteur. Je crois. Mais le gameplay, c'est plus dans la tech. Faut mettre Brenda sur le coup. Et Austin, voilà, tu fais pas chier, tu vas sur le truc useless. Ma banque autorise un découvert de 200K. Oh, j'ai pris tellement cher avec les dépenses mensuelles. Faut plus que je mette un sou dans le jeu. Mais on va mourir! Je suis au bout de ma life! Oh putain, Yves Grumeau va déjà être au bout de sa life! Yves Grumeau. Ah mais non, mais il faut quand même donner. Tant pis, c'est le burn-out. C'est la bite. Mais on n'aura jamais terminé le jeu à temps. Please. Oh my god, please. Come on. Mais on va mettre des sons, s'il n'y a pas de son, le jeu il se vend pas. Je suis écœuré du cul. Donnez-moi un autre découvert. Nous vous donnerons 427 000 balles, ce qui devrait sortir vos comptes du rouge. Mais en retour, vous engagez à nous payer 768 000 d'ici un an. Oui. Vite! Oh là là, il faut que ça soit le jeu de notre vie. Mais allez, oui, d'accord, j'en ai plus rien à foutre. Allez, il faut que Day of the Tentacouille soit aussi bien que Bono Baudet.
Oh, RIP. RIP. Putain, mais ça m'a servi à rien, Activision. Oh, la bite. Ah oui, mais un jeu moyen se vend beaucoup. Ok, merci, Activision de merde. Ah oui. Ah oui, d'accord, un jeu moyen se vend beaucoup. Ok. Ah mais quelle pression. Vite, 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 arrêtons de rien faire. Fais un rapport sur le jeu. Oui. Rechercher. Ah non, mais je veux plus dépenser d'argent. L'espace. L'espace. Non, je veux pas de trucs qui dépensent de l'argent. Les avions. Avion action, ça défonce tout. Merci Dalia Astu pour le host. Oh mais j'ai fait tellement de pognon, mais c'est bien. Sauf que je dois 1 million à la banque. Médiéval, aventure excellent, le son on s'en fout. Super NES aventure bonne. Médiéval tout public excellente. Allez, on fait un jeu. Ouais, action avion, j'avais tout défoncé, j'en suis sûr. Et sur Game Boy, vous avez raison. Mais on peut plus faire de petits jeux. Ah si, on a le droit. Ah, on a signé que pour un jeu, is ok. Ah. Merci Tom. Oh, c'est pas clair. Bon, on va vendre notre boule alors. Activision. Fais un jeu de merde, c'est pas grave. Loi, action. La loi, c'est moi. Mais loi, je peux le chercher. Mais qui fait un jeu d'action sur la loi? Perry Mason contre les nazis. Non mais qui fait un jeu d'action sur la loi? Ils ont complètement pété les plombs, eux. Dick Tracy. Mais c'est de la merde en plus. Espionnage action, pourquoi pas. Infogramme. Ah non, pas infogramme, RIP. Capcom. Capcom veut qu'on fasse un jeu d'espace casu. Eh, sur Super NES, on peut le faire. J'ai payé la licence. Un jeu moyen espace casu pour Capcom. Non mais Phoenix Wright, c'est pas de l'action, c'est de l'aventure. Ou un RPG. Elle est noire, mais elle est noire, c'est plus tard. Espace casu. Mais oui, mais un petit jeu d'avion... Mon jeu d'avion nul sur PC, mais oui. Mais 8% de royalties, c'est pas ouf. Mais c'est bien ce que je prends, alors, au final. C'est ça qui est pas clair. Ouais, non, c'est 215 pénalités si j'arrive pas à avoir à le faire ou à avoir plus de 5. Ah, c'est parti. Moyen, donc. Ça coûte tellement cher. No Man's Lie, c'est parti. Tout public, c'est casu, hein. Espace casu. Super NES. Ah bah il a... Ah oui, d'accord, oui, la plateforme était... Casser des Q Engine. Est-ce que j'ai vraiment... On peut faire des graphismes en 3D nuls. On fait Star Fox. Mais sans les... sans les avions. Et ça coûte 100 000 balles de moins, quand même, de faire ça. Attention, c'est parti pour la 3D nulle. Alors, et là, ils vont me dire... 3D... Compatibilité 3D... Ah, mais ils sont épuisés! Faut pas faire ça, faut qu'ils se reposent! Ils sont épuisés! Ah non, d'accord, ils les ont déjà. Oh, putain. Faut que je me calme. Bon, alors, c'est casu. Alors, est-ce qu'on a besoin d'histoire et quête dans un casu? Parce que moi, j'avais fait des jeux de casu sur la comédie. Et c'était de la merde. Et ça avait été un carton, je l'avais fait sur Game Boy. Mais je sais plus du tout ce que j'avais fait. Attendez, j'ai besoin d'une... Zerdams.
Ah non, mais c'est pas clair. Mais où sont mes... Oh ! J'ai perdu ma femme, mon gosse, mon job. Attendez, je reviens incessamment sous peu. Ah bah c'est bon. Alors... Zéro sans zéro, on pourrait faire ça, c'est scandaleux. Du gameplay en casu, oui, pourquoi pas. C'est Candy Crush. Alors gameplay, on met ça dans la tech, pas dans le design. Là, c'est Brenda qui est sur le coup, de toute façon. Ah, mais déjà, on lui met une surcharge de travail hallucinante, quoi. Ça, c'est l'enfer. Un peu dans le moteur, quand même. Et le moteur, c'est de la full tech aussi. Oh mais non, c'est pas lui avec ses 48 ans tech qui va s'en occuper, c'est à Yves Grumeau. Et Brenda, elle va déjà être au bout de sa life, quoi. Didacticiel, meilleure expérience utilisateur. Histoire linéaire en casu. Ouais, bah c'est... Oh, j'en sais rien. Allez, on met tout. Putain, mais on fait des jeux qui coûtent trop cher. Heureusement qu'on est chez Activision et qu'on a vendu nos mères. Gameplay, c'est du design. Ma vie, c'est de la merde. J'aurais dû la mettre sur le moleur. Salut, c'est Roland Kin de Smash. J'ai entendu que Lubrisoft travaillait sur un nouveau jeu. Oui, d'accord, je réponds à une interview. Quel est votre sentiment sur le potentiel succès de No Man's Lie? Pensez-vous que le jeu sera apprécié? Écoutez, le jeu va être incroyable. Il est multijoueur. Vous pouvez aller n'importe où, possiblement rencontrer des gens, sauf que l'univers est tellement grand que il y a très peu de chances que ça puisse arriver. Il y a plein de vaisseaux différents qui ont des comportements radicalement, différents également. C'est vraiment un jeu extraordinaire. Le marché semble s'être stabilisé à nouveau, d'accord. On n'est plus sur les jeux d'aventure. Alors, merde. Oh là là, oh, on prend tellement cher. Bon, on est en casu. Bon alors, dialogue. Si, les dialogues, on peut... LOL, les dialogues LOL. C'est scripté en casu ou on met de l'IA? Level design, ça doit être intéressant. Bon, c'est Yves Grumeau qui va s'occuper du level design. Oh, il est déjà... Oh, mais il est au bout de sa vie, quoi. Oh, le burn-out, quoi. Zéro, zéro, zéro. Oh là là. Ah, mais pourquoi Yves Grumeau est sur deux trucs, le pauvre? Voilà. Dialogue LOL. Un peu dialogue LOL. Brenda, c'est bon, c'est Brenda qui est sur l'IA. On retire un peu de charge de travail à Yves Grumeau. Bon, allez, on y va comme ça. J'y vais au pif. De toute façon, faut un 4. Ah oui, mais putain, il y a trop d'engouement. Ah putain, c'est vraiment No Man's Sky. Tout le monde l'attend, tout le monde est trop saucé parce que j'ai dit au mec du magazine que ça allait être le jeu de l'année. Alors que ça allait être une pire bouse commerciale, un jeu de commande. Oh non. Oh non. Les gens vont me juger. Oh non, mais tout, mais pas ça. Pourquoi? Oh merde. Oh, quel enfer. Design du monde. Oh, j'en sais rien. C'est l'espace, quand même. Faut qu'il y ait une ambiance. L'espace doit quand même ajouter. Je mets un peu de design pour le plaisir. La boule magique. Ah bah non, bah Austin, il est bien. Il peut s'occuper de tout.
0,180, bon allez, pourquoi pas. Ouais, mais vu que l'espace c'est pas un comment dire, le style, pas le style, mais pas le genre, mais le setting du jeu change pas la donne un petit peu. C'est ça qui est pas clair. Oh, Yves Grumeau va mourir. Oh putain. Oh là, les notes sont catastrophiques. C'est quoi là ces notes de game design? Day of the Tentacool est... Ah, Day of the Tentacool, il a fait 1 million d'argent. Mais c'est grâce à Activision. Oh là là, le jeu est une boue célesto-cosmique. En tout cas, on a beaucoup de recherches. Non, alors attendez, faut bug fix. Parce que si en plus il y a les bugs, là ça a commencé à se voir. Peaufinons-le un peu, je vous en supplie. Voilà, va en design, c'est pas mal. Non, il y a un bug à nouveau. Règle le bug. Hein? Oh non! Welcome to the E3 2016. Est-ce qu'on veut un stand à l'E3? Ah, c'est pas maintenant qu'on décide. Ok. Non, non, je laisse pas les bugs, c'est chiant. Oh putain. Oh, 20-28, oh là là, hop. Oh, je vous en supplie. Oh mais non, oh là là, 44K à l'année, Brenda, elle se gave. Il a amélioré, d'accord, parfait. Oh putain, j'ai peur. Oh putain. Oh la bouse. Oh la bouse. Ah mais c'est bon, c'est un jeu Activision, on a le droit. Le contrat est rempli. Merci Ayashi et Overdead X. Ah, c'est pas ouf, hein. Ah, mais ça coûte de l'argent, ces recherches. Oh, la SF, science-fiction, parfait. Vas-y, on a plein de points de recherche, là. Cinématique simple, ça serait pas mal. Putain, je parie que le jeu va se vendre. Et ça, c'est beau. Un éditeur de niveau. Monde ouvert. Ah, monde ouvert, ça va loin. Attends, on va chercher encore. Le piratage. Pour faire net hack, quoi. En texte, sur PC, en 99. La loi, c'est moi. Repos. Ah, ils sont morts. La boule magique. Ils sont morts. Ah oui, on va faire Metal Gear aussi. Faut pas oublier qu'on fera Metal Gear un jour. Metal Gear Solid. Comme ça, on jouera Metal Gear. De rien, Capcom. Yves Grumeau de Ubisoft avait fait de grandes éloges à propos de leur jeu en développement No Man's Sky et prédit qu'il serait couronné de succès. Non, c'est un peu de la merde. Maintenant que le jeu est sorti sur le marché, le consensus est que Yves Grumeau aurait dû être plus prudent lors du développement, car le produit final n'a pas répondu aux attentes des joueurs. Dans l'ensemble, cela a eu un effet négatif sur les ventes. Putain, on a vraiment un CRP, on a recréé No Man's Sky, quoi. Bon, ok. Ah oui, c'est vrai que j'ai 1 million à... Putain, mais quel enfer. Ah, mais ça paye rien. Et des points de recherche, c'est bien, mais on n'en a pas besoin, on a besoin d'argent. Donc l'argent, on le fera en faisant un contrat avec le démon. Bon allez, salut YouTube, des bisous.